j'aimerais vous inviter à tourner dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre au chapitre 1. Nous allons célébrer, comme on le fait à chaque mois, au début du mois, nous allons célébrer aujourd'hui l'ordonnance du Seigneur, le repas du Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a donné et c'est une responsabilité qui est très précieuse pour l'enfant de Dieu. Juste avant de se préparer à prendre le repas du Seigneur, on aimerait ça entendre la parole de Dieu pour être disposé spirituellement, pour que Dieu puisse nous permettre de le prendre avec la bonne disposition de cœur, avec vraiment des cœurs reconnaissants et des cœurs purs devant lui. Et alors que je pensais à cette pratique-là, alors que je pensais à cette ordonnance-là, Dieu m'a amené un passage à l'esprit qui nous présente une motivation pour les enfants de Dieu. C'est un de ces trésors-là qu'on trouve dans la parole de Dieu. Quelque chose que Jésus a accompli qui peut nous aider à avoir un cœur zélé pour lui, qui peut nous aider à prendre à cœur l'œuvre de Dieu et à bien agir pour la gloire de Dieu. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, est en train de parler avec des chrétiens et leur dire que le plan de Dieu, c'est une sainteté de tous les aspects de leur vie. C'est qu'ils soient vraiment consacrés à Dieu. On n'ira pas voir ces versets-là, mais ça commence au verset 13 dans 1 Pierre chapitre 1. Il dit vraiment, Dieu veut que vous mettiez sur l'autel tous les aspects de votre vie pour accomplir sa volonté, pour vraiment le glorifier. Il dit, pour vous motiver à le faire, j'aimerais vous présenter une vérité très importante. Une vérité tellement précieuse de la parole de Dieu qui peut affecter notre quotidien et tout ce qu'on est en train de faire ici-bas sur la terre. Donc, si vous voulez suivre avec moi ce matin dans 1 Pierre chapitre 1, on va débuter avec le verset 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 17, on nous dit, « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Maintenant, je vous rappelle que Pierre vient de leur dire qu'ils doivent être saints dans leur conduite. Ils doivent se consacrer en tout, dans tous les aspects de leur vie. Il a dit, prenez ça à cœur. Soyez sérieux. Dieu, c'est sérieux pour lui. Lui, il va expliquer pourquoi. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Donc, il parle du rachat du chrétien. Le rachat, c'est un paiement qui est donné à un maître pour libérer un esclave. C'est un paiement qui est donné pour une cause quelconque. Là, il dit, si vous êtes des chrétiens aujourd'hui, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, si vous avez expérimenté cette nouvelle vie-là, c'est parce que Jésus vous a racheté. Il a payé pour votre salut. C'est lui-même qui a déboursé pour vous permettre maintenant d'être libre, d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit, c'est pas par de l'argent ou de l'or. C'est pas quelqu'un qui est arrivé sur un marché d'esclavage, puis a sorti son petit sac, puis a pesé ses lingots d'or, puis a donné ça pour la personne. Il dit, c'est quelque chose avec, vraiment avec une valeur éternelle qui a été donnée pour vous. Quelque chose de tellement grand. Il dit, verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pierre dit, puisque Dieu vous appelle à la sainteté, puisque Dieu vous appelle à la consécration de toute votre vie au service de Dieu,
Il dit, vous devez comprendre que la motivation vient du prix énorme qui a été payé pour vous. Ce prix-là qu'on va célébrer ce matin par un corps qui a été brisé et le sang qui a été versé et qui sont représentés par les éléments qu'on va prendre. En passant, si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, il ne faut pas participer. Et deuxièmement, en tant que chrétien, si vous n'avez pas une bonne conscience, si vous ne vous êtes pas éprouvé vous-même pour être pur dans votre cœur, il ne faut pas participer. Maintenant, on ne demande pas la perfection parce qu'on serait un peu comme les témoins de Jéhovah. Ils vont célébrer là, leur célébration annuelle là, dans quelques semaines. Là. C'est cette célébration-là, une fois par année, ils vont passer là, les éléments dans leur assemblée et il n'y a personne qui va en prendre. Pourquoi? Parce que les seuls dignes, ce sont les 144 000 élus. Et la plupart n'existent plus aujourd'hui. Il y en a juste quelques-uns. Il faut avoir au moins 120 ans pour faire partie de ces élus-là. Donc, ils font ça tout à travers le monde. Il n'y a personne qui va participer. Si c'était la perfection aussi, il fallait avoir 120 ans pour participer. Il n'y a personne qui le ferait. Mais on le fait avec des cœurs sincères devant Dieu. Et pour la gloire du Seigneur. Et là, Pierre se tourne vers ce rachat-là pour motiver les chrétiens. Vous savez, c'est ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance. Paul a dit aux chrétiens, « Vous ne vous appartenez point à vous-même. » On va revenir à ce passage-là dans un instant. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Aux yeux de Dieu, c'est un prix extraordinaire. Le sang précieux de l'agneau qui a été versé pour nous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu à cause de notre rachat. Je vais rapidement regarder trois éléments que Pierre présente ici aux chrétiens. Trois choses à considérer alors qu'on se consacre à Dieu et alors qu'on veut grandir dans les voies de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour cette opportunité encore une fois de se rappeler de ce grand rachat de nos âmes, ce prix extraordinaire qui a été payé pour nous. Pas avec des denrées, pas avec des capacités humaines, Seigneur, ou terrestres, mais avec le sang précieux de notre Sauveur. Oh, nous allons célébrer son œuvre dans un instant. Qu'on puisse le faire avec des bons cœurs, Seigneur. Qu'on puisse le faire avec sincérité, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Racheté à un grand prix. Vous savez, quand on regarde ce passage-là, une des premières choses qui paraît, c'est le sérieux de la question. Le sérieux de notre rachat. Le sérieux, certainement, aux yeux de Dieu. Et en tant que chrétien, si on va avoir un cœur comme notre Père Céleste, ça devrait être sérieux pour nous. Par la foi, on considère Jésus sur la croix du calvaire. Par la foi, on réalise qu'il a payé ça pour moi personnellement. Et par la foi, on regarde notre vie et on dit, comment est-ce que je vais vivre pour plaire à Dieu? Comment est-ce que je vais vivre pour changer? Et ici, au verset 14, on nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois avant de connaître ce rachat, avant de connaître cette nouvelle vie-là, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, et si vous invoquez, et on continue juste pour pas qu'on se trompe nous-mêmes. Même aujourd'hui, on a des chrétiens qui se trompent par de faux raisonnements. On est sous la grâce de Dieu. On est libre en Jésus-Christ. On peut vivre dans le péché. On peut faire ce qu'on veut. Dieu, ça ne l'affecte pas du tout. Je me souviens d'un homme de notre assemblée qui avait demandé à un pasteur qu'il connaissait, qu'est-ce que ça fait dans ma relation avec Dieu quand je suis désobéissant et quand je suis rebelle? Le pasteur lui a dit absolument rien. Il n'y a absolument aucun problème avec ta relation avec Dieu. Là, Pierre est en train de dire, écoutez, c'est pas cela. Là. Dieu marche dans la lumière, il veut que tu marches dans la lumière. Il dit, juste en cas vous vous trompiez vous-même, il dit, et si vous invoquez comme père, comme tous les enfants de Dieu, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, il ne fera pas une exception pour toi. Il ne changera pas sa manière d'agir parce que tu penses être le meilleur ou tu penses être exceptionnel ou tu penses avoir sa faveur. Non, il va te traiter comme les autres enfants de Dieu. Il dit, conduisez-vous avec crainte, avec un profond respect
Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. C'est exactement ce que Paul avait dit à une des églises les plus rebelles, l'église de Corinthe. Il leur a dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alors ça, c'est une sanctification globale. Tous les aspects de notre vie, toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Aux Éphésiens, il a dit, écoutez, vous devez prendre garde pour vous conduire avec circonspection. Ah, c'est quoi ce mot-là? Circonspection, ça veut dire un grand sérieux. Quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui prend les choses à cœur, quelqu'un qui a les yeux ouverts, quelqu'un qui recherche la face de Dieu, quelqu'un qui dit, Seigneur, comment est-ce que je peux te plaire ici-bas sur la terre? Il dit, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Il faut être sérieux. Il faut comprendre qu'on a été entièrement racheté pour glorifier Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. Il faut prendre la chose à cœur pour accomplir son plan pendant notre vie. Oh, Dieu prend au sérieux le développement du caractère de l'enfant de Dieu. Alors, Pierre souligne le rôle de Dieu en tant que juge, pas juge de nos péchés, juge de nos décisions, juge de notre marche, juge de notre sainteté. L'appartenance à la famille de Dieu, bien qu'un grand privilège, ne doit pas laisser présumer que la désobéissance passera inaperçue auprès de Dieu. Et c'est vrai, il faut prendre cela au sérieux. Je ne parle pas d'être écrasé dans notre âme. Je ne parle pas d'être découragé parce qu'on faiblit de toutes sortes de manières. On bronche. Mais je parle de dire, Seigneur, je veux vraiment faire de bons choix. Puis quand je tombe, je veux me relever et continuer à progresser dans les voies de Dieu pour glorifier le Seigneur. Et non seulement est-ce que Pierre présente ça, mais deuxièmement, il s'arrête sur le prix du rachat. Le prix qui a été payé pour qu'on soit un enfant de Dieu. Pour qu'on soit libéré de l'esclavage du péché et des choses qu'on avait héritées de nos parents, et qu'on puisse marcher en nouveauté de vie ici-bas, qu'on puisse être en accord avec la parole de Dieu, le grand prix qui fut offert en échange de la vie du croyant, le grand sacrifice qui a été présenté à Dieu pour que le chrétien se consacre entièrement à l'œuvre de Dieu. Et Pierre dit au verset 17, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre et dites, vous savez, on devrait le savoir en tant que chrétien, j'espère qu'on est à l'écoute ce matin, j'espère que nos oreilles sont ouvertes, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Il dit, c'est Jésus lui-même qui est allé volontairement sur la croix du calvaire. C'est le roi des rois puis le seigneur des seigneurs qui s'est humilié en descendant dans une vierge, en prenant une chair semblable à la nôtre pour ensuite l'offrir à son Père Céleste pour se consacrer à Dieu. Il dit, à la lumière de cela, à la lumière de ce grand prix-là, pas de l'or et de l'argent, d'un prix extraordinaire aux yeux de Dieu. En fait, j'aimerais vous dire que ce sang-là n'a pas juste été versé sur la terre. La Bible nous révèle que Jésus a pris son sang. Vous vous rappelez quand Marie l'a vu ressusciter, elle est venue pour le toucher. Elle a dit, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté auprès de mon Père et de votre Père. Là, il est monté dans la gloire, puis il a pris son sang. Il y a un autel dans la présence de Dieu. Un autel similaire à ce qu'on voyait en Israël, l'autel du sacrifice où on offrait le sang expiatoire. Et même Moïse, quand il a eu cette révélation-là de faire un autel, Dieu a déchiré les cieux et dit, regarde l'autel dans ma présence, regarde cet autel-là du sacrifice, cet autel-là qui était prédestiné avant la fondation du monde parce qu'un jour, l'agneau de Dieu va venir comme Jésus a fait après sa résurrection, puis il a versé son propre sang sur l'autel dans la gloire et dans le paradis de Dieu. Et ça, c'est un sang unique, un sang extraordinaire qui était offert par le Seigneur Jésus-Christ.
Et à la lumière de ce prix-là, il dit, soyez donc prêts à progresser dans votre sanctification. Soyez donc prêts à changer encore plus pour glorifier Dieu, à être encore plus modifiés dans tous les aspects de votre vie. Des fois, je parle avec des chrétiens sur certains sujets, ils ne sont pas d'accord. Hein, j'ai des positions, j'ai des pratiques, bien sûr, ça va varier. Romains 14, c'est clair. Mais des fois, ils regardent ça, puis là, je vois la résistance, c'est comme une corde sensible, puis je le sais, ben, j'en ai des cordes sensibles moi aussi. Puis là, je leur parle de ces choses-là, puis non, non, la Bible ne dit pas ça, non, je ne suis pas d'accord. Là, je me dis juste, est-ce qu'un jour, dans ta vie, tu as dit, Seigneur, je suis prêt à même prendre cet aspect-là de ma vie? Tu as dit, en toute chose, tu veux que je sois consacré à toi, en toute chose, tu veux que je sois sanctifié pour te glorifier. Mais maintenant, je t'offre cet aspect-là. Comme cette dame-là qui a comparé sa vie à une maison. Et du début du salut, Jésus rentrait dans le portique. Puis après ça, après un peu de croissance spirituelle, je lui permettais d'aller là, dans le salon. Puis il pouvait voir le salon, même un peu dans la cuisine. Mais il dit, plus que j'ai grandi, plus que j'ai dit, Seigneur, tu as accès à toutes les portes de ma vie. Viens nettoyer mon garde-robe. Viens nettoyer là, mes bureaux. Viens nettoyer là, mon grenier. Viens nettoyer tous les aspects de ma vie. Et je pense qu'en tant que chrétien, il faut être prêt à la lumière de ce prix-là, à dire même ça, Seigneur. Si tu as quelque chose à m'enseigner, si tu as quelque chose à me montrer, si tu veux me sanctifier dans cet aspect-là, je vais m'ouvrir à l'œuvre que tu veux accomplir. Paul, c'est un incitatif pour les chrétiens, pour leur dire, écoutez, arrêtez de vivre dans le péché. À Corinthe, les prostituées se promenaient après des grandes séances d'adoration des idoles, puis elles cherchaient des gens, puis elles trouvaient des fois des chrétiens qui étaient là, qui se promenaient, des jeunes hommes, puis elles les amenaient à aller coucher avec eux. Ils se livraient à la débauche malgré qu'ils étaient des enfants de Dieu. Paul leur dit, fuyez cela, fuyez ce culte-là qui vous amène dans le péché. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Savez-vous, quand on fait quelque chose avec notre corps, on devrait demander, Jésus, est-ce que tu me donnes la permission? Est-ce que tu veux que je fasse ça avec mon corps? Ce n'est pas mon corps à moi, c'est un corps que tu me permets d'utiliser, mais il t'appartient, ce corps-là. Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Dans Colossiens, on nous dit au chapitre 3, de tout faire au verset 17, au nom du Seigneur. Jésus-Christ, tout faire, c'est un principe de vie. Au nom, c'est-à-dire son autorité, sa volonté. Tout ce que je fais avec mon corps, hein, ce que je vois, ce que je fume, ce que je regarde, ce que j'écoute, tout ce que je fais, est-ce que Jésus, tu le veux? C'est ton corps, ça t'appartient. Est-ce que tu veux cela dans ma vie? Mais il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. On revient à cette motivation-là. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ce n'est pas étonnant que Dieu nous a dit, écoutez, je veux un mémorial dans l'Église. Je veux que vous pensiez à ce corps-là qui était brisé. Je veux que vous pensiez à ce sang-là qui était versé. Faites-le régulièrement jusqu'à ce que je revienne. Vous allez annoncer le grand prix qui a été payé pour votre rachat. Et peut-être les chrétiens vont être motivés à grandir dans les voies de Dieu, à rechercher la stature parfaite de Jésus-Christ pour progresser toujours plus dans la volonté de Dieu. Paul le dit au sujet de la mort de Jésus-Christ et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais qu'ils puissent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans Éphésiens 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, dans un esprit de service, un esprit de sacrifice, un esprit de renoncement, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Dans Jean 10, 18, il a dit, personne ne m'ôte ma vie, c'est pas les Juifs, c'est pas les Romains, c'est moi qui s'en va sur la croix du calvaire. Je la donne de moi-même. Et c'est pour ça qu'on le provoquait à descendre de la croix. Il est resté parce qu'il était résolu. Je vais tout accomplir, je vais terminer, je vais achever le rachat de l'être humain. Il nous a tant aimés, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il est allé jusqu'au bout. La mort de Christ était la rançon payée pour notre délivrance spirituelle. La rançon n'a pas été payée avec la monnaie du premier siècle telle que de l'or ou de l'argent.
ces produits n'ont pas de valeur éternelle. Quand Dieu va détruire les cieux et la terre, puis il va consumer la terre par le feu, puis il va anéantir sa première création, tout l'or et l'argent de cette terre, toutes les pierres précieuses, toutes les œuvres de l'homme, hein, la tour Eiffel, puis toutes les grandes créations de l'homme, tout ça, ça va disparaître. Ça va être détruit. Il n'y a rien d'éternel dans le monde ici-bas. Dans la matière qui nous entoure, la rédemption a été payée avec le sang de Christ sur lequel aucune valeur ne peut être placée. Parce que c'était la personne derrière ce corps-là. C'était le Fils unique de Dieu. Celui en qui Dieu avait mis toute son affection qui est venu verser ce sang-là pour nous. Oh, dans la parole de Dieu et dans ce texte, on voit le sérieux du rachat du croyant. On voit le sérieux de cette œuvre-là qui devrait attirer notre attention, qui devrait briser nos cœurs, qui devrait nous amener à de bonnes décisions. Deuxièmement, on voit le prix de ce rachat-là. C'est pas juste un prix comme un autre esclave. C'est le prix qui vient du Fils unique de Dieu. Et dernièrement, alors qu'on pense à Pierre, à cet encouragement-là, on voit que cet élément-là de la persévérance, la persévérance dans cette idée-là, la persévérance dans cette réalisation-là, la persévérance dans ce cœur sensible-là, et c'est pour ça qu'on essaie de prendre le repas du Seigneur à chaque mois. Il y en a qui le prennent à chaque dimanche. Savez-vous quoi? Moi, je pense qu'on deviendrait désensibilisé. Ça fait exactement le contraire. Toujours habitué, Jésus est mort pour nous, son sang a été versé, son corps a été brisé. Ça deviendrait coutumier, ça deviendrait mécanique, ça ferait partie de la liturgie. Mais ça ne serait pas une réalité dans notre cœur. Mais le faire une fois par mois, il y a des églises qui le font une fois par trois mois même. Les églises protestantes, les églises, on veut vraiment que ça soit précieux, on ne veut pas s'habituer, on veut que ça soit quelque chose qui va avoir un impact dans notre vie. Peu importe, la Bible ne dit pas la fréquence. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'on a besoin d'entendre parler de Jésus. On a besoin d'entendre parler de son rachat. On a besoin d'une continuité dans cette sensibilisation-là pour marcher avec une foi qui plaît à Dieu tout au long de notre vie, nous rappelant continuellement le prix qu'il a payé. Et c'est pour ça qu'on nous dit au verset 18, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et fut manifesté à la fin des temps. » Toute l'histoire humaine est inclue dans le plan de Dieu. Et Dieu savait exactement tout ce qu'il allait faire à travers l'histoire humaine. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et on nous dit, par lui, vous croyez en Dieu. Étant racheté, ayant cette relation-là, ayant expérimenté un nouveau cœur au lieu d'un cœur, un cœur de pierre, on a un cœur qui est fait de chair, qui est sensible. À cause de cela, on peut marcher dans les voies de Dieu. Mais on nous dit au verset 21, « Par lui, vous croyez en Dieu. » Vous savez, ici, on est en train de décrire la caractéristique d'un vrai enfant de Dieu. De personne qui est vraiment sauvée. Littéralement, il y a certaines versions qui disent « Vous êtes des croyants en Dieu. » C'est votre caractéristique principale, c'est votre style de vie qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Oh, le chrétien doit persévérer dans les voies de Dieu. L'enfant de Dieu doit continuellement mettre sa foi en lui quotidiennement et par la grâce de Dieu qui est toujours disponible, frères et sœurs. Elle est toujours disponible. Sa force, sa puissance, son aide, son entretien de notre vie est toujours là. Si on ne l'a pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est problématique avec nous. Ce n'est jamais Dieu le problème, c'est nous. Mais étant donné que sa grâce-là est toujours disponible, elle peut nous permettre de continuer à marcher dans cette réalisation-là du grand prix qu'il a payé pour nous. Et c'est ce que Pierre avait dit aux chrétiens dans le même chapitre. Il dit « À vous, en parlant de toutes ces vérités spirituelles, toute la richesse qu'on a reçue en Jésus-Christ, il dit « À vous, les chrétiens, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi,
pour le salut prêt à être révélé, la délivrance prête à être révélée dans les derniers temps. Maintenant, j'aimerais juste faire remarquer que Pierre était dans les derniers temps. Jésus avait paru dans les derniers temps. Il lui dit, et dans les derniers temps, il va avoir une révélation de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu va venir chercher son Église, quand on va expérimenter la transformation de notre corps, c'est le dernier élément de notre salut. Il faut que notre corps revête la gloire du royaume de Dieu. Il dit ça, ça s'en vient, mais entre-temps, la puissance de Dieu même est disponible pour que vous puissiez continuer dans ses voies. Jude dit concernant les chrétiens, il dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jean, je parle aux chrétiens, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et remarqués, qui sont gardés pour Jésus-Christ. » Comment? Par la puissance de Dieu. Tout le potentiel est là. Toute la grâce est disponible. Dieu nous dit, écoute, c'est sérieux la vie chrétienne. C'est un grand prix qui a été payé. Continue à croire, continue à marcher avec moi, continue à progresser dans ta sanctification avec une bonne disposition. Et tout le potentiel est là pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ, pour revêtir son image de plus en plus dans notre vie. Un auteur nous dit, bien commencer dans la course chrétienne, c'est une chose momentanée. Bien finir notre course est une chose qui exige toute une vie. Parce que la ligne d'arrivée, ce n'est pas à 25 ans. La ligne d'arrivée, ce n'est pas à 50 ans. La ligne d'arrivée, ce n'est pas même à 100 ans. La ligne d'arrivée, c'est quand la trompette va sonner, ou la ligne d'arrivée, c'est quand le souffle va quitter notre corps, c'est quand on va terminer notre service ici-bas. Et peu importe nos capacités, il y a des personnes âgées qui ont presque plus de capacité. Hein, souvent, ils sont malades, souvent, ils sont alités, souvent, ils ont toutes sortes de contextes qui font en sorte que physiquement, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient autrefois. Mais j'aimerais vous dire, dans leur cœur, ce sont des combattants dans la prière. Dans leur cœur, ils sont là pour exhorter les gens. Dans leur cœur, ils ont des désirs spirituels et Dieu voit toutes ces choses-là. Ils ne sont pas encore arrivés à la ligne d'arrivée. C'est seulement quand ils vont quitter ce monde. On en connaît des frères et des sœurs, n'est-ce pas, qui ont quitté. Et eux sont arrivés à la ligne d'arrivée. Ils peuvent se reposer de leurs œuvres. Cette persévérance-là en tant que croyant, ne soyez pas paresseux. Je suis désolé, ce n'est pas Warren Wesley. Je me suis trompé dans la référence d'une autre personne. Ne soyez pas paresseux. Courez chaque jour la course de toutes vos forces pour qu'à la fin, vous receviez la couronne de victoire de Dieu. Continuez à courir, même après une chute. On tombe, puis on se relève, puis si on est un chrétien spirituel, il va nous relever avec un esprit de douceur. La couronne de victoire est gagnée par celui qui ne reste pas au sol, mais se relève toujours. Saisis la bannière de la foi et continue de courir avec l'assurance que Jésus est notre victoire. Sa puissance est toujours disponible pour nous. Frères et sœurs, c'est sérieux la marche chrétienne. C'est sérieux la sanctification que Dieu veut accomplir. La transformation de tous les éléments de notre vie. Au début de la vie chrétienne, c'était souvent drastique, n'est-ce pas? J'expliquais ça à quelqu'un. Quand je suis rentré, après avoir accepté le Seigneur, je suis rentré à l'église. J'avais des jeans et un t-shirt qui disait « J'aime New York ». J'avais les cheveux sur les épaules. Et j'avais l'air vraiment d'une bête rare. Ça faisait pitié, mon affaire. Là. J'étais quelqu'un vraiment de tout croche quand j'ai accepté le Seigneur. Et là, une des premières choses, j'ai vu une personne qui a les cheveux longs ici. Prochain dimanche, je reviens, mes jeans, mon t-shirt, j'aime New York, je le portais quotidiennement, j'étais très fidèle. Là, oups, les cheveux coupés. Ah, les gens ont remarqué, il y a eu un changement là. Après ça, oh, telle et telle chose que j'apprenais dans la parole de Dieu, telle et telle chose que je voyais chez les chrétiens. Et là, à travers les années, depuis 32 ans, oh, il y a quelque chose que je dois changer. Oh, et ça, il faut que je modifie ça. Oh, 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 oh. Et continuellement, le Seigneur est en train de travailler dans nos vies. Il veut nous sanctifier. On était prédestinés à ressembler au Seigneur Jésus dans toute la gloire de son image. Et Dieu nous appelle à être prêts au changement. C'est sérieux. C'est un grand prix qui a été payé. Dernièrement, il faut persévérer, continuer. Juste être à l'Église, juste entendre concernant le Seigneur Jésus à chaque mois.
Quelle belle discipline pour chacun de nous. Premier dimanche du mois, peut-être que je vais manquer d'autres dimanches. J'espère que non pour vous. Peut-être que je vais manquer des fois. Premier dimanche du mois, je ne veux pas manquer cela. Pourquoi? Parce que je vais me rappeler de ce que Jésus a payé pour moi. Amen. Ce grand rachat de mon âme qui va me motiver à aller de l'avant pour la gloire de mon Sauveur. Nous allons prier ensemble.